Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Et quel sujet? Le sujet d'une nouvelle science, la science al-mubin, la science de la programmation divine, la science des mystères basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23, 30, 40, 63. Un gag, le voilà, ou le voici, lors de la finale de la Coupe du Monde. La France a-t-elle été punie par Dieu car elle compte 63% d'athées alors que l'Argentine n'en compte que 6%? La réponse de Samir, toi en tout cas, tu seras puni parce que t'es 99% troll. Bon, c'est vrai que c'est une question gag, minable. Mais c'est pas grave, nous allons appliquer la science al-mubin. D'accord? Observez bien. Donc, pile poil, je ne touche rien à la question sauf. Le 63, je le transforme en 63 parce que mon applicatif ne le comprend pas comme ça, donc je le transforme en 63. Le voilà, 63. Et le pourcentage aussi, je mets pourcent. Pourcent, ok. Donc je transforme le nombre en lettres et le pourcent en pourcentage. Parfait. Donc la question, dans le système de codification qui passe par les 26 premiers nombres premiers, sans les rangs, et ici avec les rangs. D'accord, je ne sais pas ce que vaut le 63%. Est-ce que dans l'équipe de France, il y a 63% d'athées? Je ne sais pas. Mais vous allez voir que la science al-mubin entoure tout et englobe tout. Application de la science al-mubin sur la question. Très bien. Donc les deux totaux, les voilà. Je divise par le 114 et le 23 les cœurs des nombres mystérieux, les restes de la division euclidienne. Lui divise par le 23, le reste est 1. Lui. Tu le divises par le 23, pas de reste. Ça veut dire que ce nombre admet la division par le 23. Si tu le divises, le quotient, le résultat est de 198. Tu veux le vérifier? Observe. Lui, divisé par le 23, égale à 298. OK. Divise-le par le 23, le reste est 22. Très bien. D'abord, ici, 93 moins 1 moins 4. Vous allez voir les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui, moins lui aussi, il va donner la réponse. Égal à lui. Lui, c'est quoi? C'est toi, en tout cas, tu seras puni parce que tu es 99% troll. C'est la réponse de Samir, sans rien toucher. Ok? Donc, lui, c'est un nombre premier. Il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui est comme rang 538. Maintenant, observez le hasard. Observez le hasard, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a dit lui plus lui égal à ce nombre. Maintenant, le rang, c'est quoi? C'est Allah. Dans la langue des premiers en arabe littéraire, sont les rangs. Allah, dans la langue des premiers en arabe littéraire, sont les rangs. La somme égale à pile poil ce rang. Ça parle d'Allah, non? Ça parle de Dieu qui a puni, non? Le voilà. À la perfection. Qui peut faire ça? Et le 269 est un nombre premier qui a comme rang 57. OK? Donc, 57 plus 57 égale à 114. Dieu. Il a apparu sans les rangs. Le voilà, sans les rangs. En français, ici en arabe, ici en français. Qui a codé ça? Parfait. Maintenant, ça va bien. On nous dit que le pourcentage d'athées dans l'équipe de France est 63% et le pourcentage d'athées dans l'équipe argentine, c'est 6%, n'est-ce pas? 63 plus 6 égale à 69. Observez bien. 114, observez bien. 114 moins 69 égale à 45. Ça, c'est la somme des rangs de Dieu. Comme ça. Dieu avec le 45 donne Dieu avec les rangs. Voilà, perfection. Observe Dieu, celui qui a codé tout ça, c'est Dieu. Ça, la somme des rangs, c'est 45. Parfait. Maintenant, observe bien. Maintenant, je vais sommer Dieu. 159, observe, plus Dieu, plus Allah. Je somme Dieu. OK. Égal à 811. Ce nombre a reçu l'ordre. Malgré la rareté des nombres premiers, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui comprend 141. Maintenant, observe les autres nombres. Observe, ceux-là ont travaillé, n'est-ce pas? Maintenant, les autres. 14 plus 0 plus 298 plus 22 égale à 334. C'est le rang du nombre premier 2243. Maintenant, Dieu, c'est bien 114, n'est-ce pas? La durée de la révélation, c'est bien le 23. 23 est premier, la comprend 9. Explique. Observe. Ce nombre a répondu. Maintenant, ce nombre, il va travailler avec quoi? Observez bien.
Il va travailler avec lui, avec son rang, avec lui, avec son rang, avec Dieu, avec la durée de la révélation. Observe. Observe. Donc, le nombre initial, moins le 811, moins le 141, plus le 2243, plus le 334, plus Dieu, plus 23, plus 9. La durée de la révélation, plus 9. Égale à quoi? Égale à la réponse. 7766. Toi, en tout cas, tu seras puni parce que t'es 99% troll. Parfait. Maintenant, le 114, Dieu, moins le 23, égale à 91. 91, c'est quoi? C'est la somme des rangs de Allah. Comme ça, le 91 retrouve Allah sans les rangs pour former Allah avec les rangs deux fois. Ok? Vous voulez voir les rangs d'Allah? Observez bien. 91, le voilà. Parfait. Observez bien. Maintenant, 3881. 3881 moins lui égale à ce nombre. Ok? Donc lui moins lui, c'est-à-dire le cœur de cette phrase, la somme des rangs de cette phrase. Donc première fois, et il est déjà apparu deux fois, n'est-ce pas? Donc les deux dernières fois. Donc égale à lui, égale à lui. Très bien. Maintenant la somme de Dieu. Je vais sommer Dieu. À chaque fois, je somme Dieu. Observe. À chaque fois, je somme Dieu. Comme j'ai fait tout à l'heure. Ok? Parfait. Égal à ce nombre. Très bien. Maintenant, le 2365 plus le 996 plus 996 égale à ce nombre. Il a reçu l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 595. 10 fois le 23, le reste est 20. Maintenant, Dieu, c'est 114. La durée de la révélation, c'est 23. Observe et explique. Lui. Ok? Observe bien. Le 2243. Lui, d'accord? L'aboutissement de des fameux nombres. Lui, avec, lui, avec, lui, avec le 20, ok? Avec le 114, avec le 23, avec le 9, observez bien, ça donne quoi? Ça donne le 7766, à la perfection. Très bien. Et le fameux 4357, celui-là, je le pose ici. Je le pose ici. Il y a dedans quoi? Le 43. Nombre premier 94 et le 57, le voilà. La somme est 114, ça finit par Dieu. Ok, envoyez ça aux athées de la France, quels qu'ils soient. Envoyez-le aux athées de la France, quels qu'ils soient. Et aux athées du monde aussi, de toute la planète. D'accord, normalement, ils vont se dire, ah oui, il existe le fameux Dieu. Je ne peux plus être athée. Merci, à vous, à la prochaine.